surutilisation. Mais dans les tissus, donc il y a des récepteurs spécifiques, la forme dynamique du péridonine est permettrait d'assurer le transport. Le complexe vitamine B12, transporté dans la membrane, qui parvient en cellule, est transformé en hydrocycloalanine et entre dans le cytosol cellulaire. Après internalisation, l'évacuation de la vitamine B12, cette vitamine B12 va être donc transformée en hydroxycobalamine. On a la fixation entre l'astéter et le chemin électrique du CoH. D'accord ? Vous avez dit que la top a donné le cytosol. Alors, la vitamine B12, donc, va créer une S-adénosine. Adénosine cobalamine. L'adénosine cobalamine va créer quelque chose qui n'est pas bon. Elle est nécessaire à la réaction qui se passe au niveau de l'amylose. Mais retenez que la vitamine B12 est stockée en quantité significative dans différents organes, et essentiellement au niveau du foie. 60% du stockage se fait au niveau hépatique de la vitamine B12. Comment on excrète la vitamine B12? L'élimination quotidienne de la vitamine B12 est de 2 à 5 microgrammes chez l'homme. C'est presque la même quantité qui est utilisée. Presque la même quantité qui est qui entre, disons. La cobalamine non utilisée par l'organisme est éliminée dans la vie. Mais il va y avoir aussi, comme pour le folate, un cycle entre l'eau et la cobalamine. Ou bien dans les urines, mais cette dernière voie est minime, donc elle est inférieure à 0,25 litres par un cachet. Dans les urines, très très peu, comme pour le folate, comme on en a vu. Il y a un cycle entéropathique, plus 65 à 75% de vitamine B12 qui passe dans la bile va être récupéré par ce cycle entéropathique. Le métabolisme cellulaire, comment ça se passe dans les cellules et quelles sont les réactions qui nécessitent la présence de la vitamine B12. La forme active de la vitamine B12, voilà, hein, l'adénosine cobalamine. Voilà, alors que le méthylcobalamine est l'hydroxycobalamine dans le cytoplasme. Alors que le cyanocobalamine, le cyanocobalamine, généralement, c'est un mouvement thérapeutique. Mais retenez que l'adénosine cobalamine dans la mitochondrie, le méthylcobalamine cobalamine et l'hydroxycobalamine ici de place. Voilà la réaction. Et les mitochondries, regardez dans la mitochondrie, l'éthyle, l'adénosine CoA, l'hydroxycobalamine, c'est l'enzyme. C'est l'adénosine cobalamine. L'adénosine cobalamine. Réaction, c'est de transformer le méthylmalonine CoA en succinyl CoA. Mais peut-être, alors que je suis au bout de chimie, je ne sais pas que le prêt. La dégradation des acides gras. Dégradation dans les acides gras, comment y a-t-il de là? Y a-t-il beaucoup d'énergie, y a-t-il la centrale CoA? Des fois, y a-t-il le propionyl CoA, au pêche?
Donc, la cellule a toujours deux microns. Deux de ces gras, un père. Deux de ces gras, un père. Et là, c'est beaucoup, je ne sais pas. Donc, un maillon qui prend un carbone de ressources de la cellule A, il y a une proteomicron. Le proteomicron ne peut pas être libre ni dans le cycle de Krebs ni dans la cellule A. Il faut le transformer. Pour le transformer dans la mitochondrie, il faut passer par cette voie-là, le proteomicron. J'y vais, le proteomicron. Βάρο προτείνει, βόλια τσιγόνι της μονετήλ μανιμίκορα. Πορ οντρίνο του σύκλου του κρέψ, υπό σε πρώτη πίλο του κανάου βόλου τρανσφορμή να σύξενήλ κόρα. Δεν μου ζούν του σύκλου του κρέψ, σύξενήλ κόρα. Γατό, έλα με μέ ζουλά με λάμε λιέδι, κένει δε κανάνα, δε κοταραμή, τα σύκλα, έλα δημοζή, κοταραμή, αλλά κοίταμε με δύο δύο. D'accord. Donc là, avec les questions, je me pose le comprends. Donc quelles sont à la cité 1 ou 2 réactions qui nécessitent la présence de la vitamine B2? Je me trouve. Donc je me trouve du coup la transformation de carbone rouge, de l'hydrogène, pour le proteomicroa, peut-être proteomicroa, donc ensuite c'est l'hydrogène. Dans la mitochondrie. Vous voyez, la poudre, donc pour faciliter donc, l'utilisation du proteomicron dans le cycle de traction moral de la sèche. D'accord? Regardez, c'est-à-dire, tobalamine, ma parole, méthyltobalamine, je parle. On a synthétisé la méthionine. Je m'en remets à la main. 5 méthyl et 3 hydrofolates. Donc, vitamine B12, 5 méthyl et 3 hydrofolates sont nécessaires pour synthétiser la méthionine. D'accord? Donc, on a la vitamine B12, bien sûr. Pas beaucoup de méthyl. Hein? Pas beaucoup de méthyl, là, je vais vous dire. Méthionine, je trouve que méthionine utilise vitamine A aujourd'hui. Vitamine A, l'époque. C'est-à-dire cobalamine, méthylcobalamine. C'est-à-dire 5 méthyl, méthyl, d'ailleurs. Je l'utilise à l'homme système, mais je trouve que c'est méthionine. Vous voyez méthylé, vous voyez l'âge méthylé. D'accord. Et vous avez des titres hydrofolates. Non, pas méthylcobalamine. Un plasme de méthylé. Méthylé, pas avant le titres hydrofolates. Oui. Vous avez dit on a 5 minutes de tétrahydrofolate. D'accord? On avait atteint la méthionine. La méthionine, c'est l'homocystine. On a une méthionine, on a fait un CH3-bêta, on a fait un CH3-bêta. D'accord? Ok? On a fait un CH3-bêta. On a fait un CH3-bêta. On a fait 5. Désoxyadénosylcobalamine. Elle est méthylmalonicoa. Elle est belle, elle est proteomicoa. Elle est belle, proteomicoa. Et j'ai appris la succinico. Voilà. Besoin à réserve. Donc, une origine avec vitamine B12. Anti-foie, anti-tourmineur, les poissons, les laitages. Chaque jour, il faut monter à 3 microgrammes. Alors que l'apport quotidien, c'est 50 microgrammes. 50 microgrammes. Réserve en 3 à 4 microgrammes. Les régimes chez vous, 2 à 5 microgrammes. Voilà les réserves. Réserve.
Voilà donc pour notre programme de chocolat et des exercices. Chocolat, c'est une exposition.